Lorsque vous recherchez un ou plusieurs mails, vous pouvez bien évidemment utiliser la zone de recherche et spécifier l'espace dans lequel se trouvent ce ou ces mails, mais vous ne pourrez pas les garder disponibles si vous souhaitez les revisualiser par la suite de manière rapide. Grâce au dossier de recherche ou Search Folder, vous allez pouvoir rassembler toute une série de mails qui sont liés aux mêmes critères. Il vous suffit de cliquer sur Folder ou Dossier, New Search Folder ou Nouveau dossier de recherche et de cliquer ensuite sur Choisir ou Choose. Vous donnez un nom à votre dossier de recherche, vous cliquez ensuite sur Criteria ou Critères et dans cette zone, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, le mot-clé qui est lié au mail que vous recherchez. Vous pourrez spécifier si ce mot-clé appartient au sujet du mail ou au sujet et au texte du message. Vous allez pouvoir également ajouter d'autres options pour affiner votre recherche. Lorsque vous avez défini vos options, vos critères, vous cliquez sur OK trois fois et à partir de ce moment-là, Outlook crée un nouveau dossier appelé Dossier de recherche dans lequel il va rassembler tous les mails qui sont liés aux critères que vous avez définis. Ce dossier va stocker les mails passés liés aux critères que vous avez paramétrés, mais également il y rangera les mails futurs. Le point positif également, c'est que ce dossier de recherche ne prend pas de place dans votre boîte de réception. C'est donc tout bénéfice pour vous, car tous ces mails seront à votre disposition sans alourdir votre boîte de réception.